C'est tout le monde, c'est démo. Éventuellement, tout va bien. Le truc qui est bien dans Assassin's Creed, c'est que tu peux aller absolument partout où tu veux. Et tu peux éventuellement te retrouver sur une fontaine pour faire l'homme fontaine. Ah, ne pas confondre avec la femme fontaine. J'ai rien dit, je m'en bats les couilles, j'ai rien dit, t'as rien entendu. Ah bah voilà, ça met de la pluie. Ah, c'est parfait, hein. Parfait. Maintenant, mon boulot ne sert à plus rien du tout. Aujourd'hui, grâce à l'intervention de Michel, nous pouvons en apprendre un peu plus sur le métier d'homme fontaine. Vas-y, dégage, j'en ai marre de ce boulot de merde. Apparemment, Michel n'était pas très content. Ta gueule! Oh, comment je l'ai volé là? Ah si, l'autre, tu m'as calé. Non, c'est pas cool. T'as pas vu là? Si, en fait, il m'a vu. Je croyais qu'il l'avait pas vu, mais en fait, si. En fait, si, ils sont plus malins que je le pensais. En fait, ils sont pas cons du tout. Cache-toi, cache-toi. Super bien caché. Personne ne te trouvera ici. Meilleur bloc au monde. C'est le monde d'Assassin's Creed 4. Parce que dans la vraie vie, ça marche pas. Ok. Alors, la Havane, c'est la seule ville où tu passes d'un temps totalement pourri, des cordes d'eau avec un sol ultra mouillé, au beau temps, avec le sol super calme. Ah, on va pouvoir s'amuser. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit de marcher. Oh putain, mais on a même plus le droit de marcher sur le toit aussi. Qu'est-ce que tu veux? Comment je fais pour aller au travail au moins, hein? J'y vais à pied par terre et je me prends les bouches. Oh le bâtard! Oh doucement! Ils sont sérieux, juste marcher sur le toit! Je marche sur le toit tranquille, le mec il me tire une balle, tout à fait normal. Et puis voilà, puis maintenant il me laisse en mode je m'en bats les couilles. Tout à fait normal ce jeu. Y'a rien de plus normal. Intérêt pas le farval, je fais pas l'espagnol mais j'ai compris un petit peu ce que tu dis, tu sais. Comment est-ce que tu me regardes de travers toi? Arrête de me regarder de travers. Tourne, regarde. Tourne, bâtard. Tourne les yeux. Ok, il le fera pas. Mais oui monsieur, je vous réponds avec la même voix que vous. C'est quoi ce rire? Oh mince, je n'avais pas vu que j'avais assassiné quelqu'un. Ah non, j'avais pas vu. Le meilleur menteur au monde. Ou pas, non, faut quand même pas déconner. Wow. Ah ça c'est pas mal, celle-là je l'aime bien. Ça c'est ma préférée je pense. Ah je peux pas m'en aller là, à mon avis. Non, je resterai dans... Je m'en bats les couilles, je peux pas sortir. Bonjour monsieur. Oh le regard. Surprise motherfucker. Il est sérieux. Ça fait trop genre le regard de... Oh, you touch my tra-la-la. Bon attends, je te vole au pire. Vas-y, t'as rien. Sale pauvre. What? C'est quoi cette position? Ah oui, on s'amuse comme des fous ici. Juste, rien que les positions et le bruit, c'est pas du tout rassurant. T'inquiète, mec, je veux pas te recruter du tout. Putain, c'est des barjots à la Havane, c'est des fous, les gars, laisse tomber. Non, ne le tue pas. Non, ne le tue pas. Il ne mourra pas. Perce sa défense, mais perce-la. Vas-y. Voilà. Allez, donne la thune, aboule la thune. Et voilà, merci pour l'argent. J'ai bien que pour l'argent. T'as perdu. voilà. Non, tu m'as pas vu, je suis en bas. Voilà. Oh putain l'enculé. Et j'étais en bas. Mais ah ouais putain, non. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Mais je cherche quoi là? Non, il y a personne. Tu l'as déjà fait tout à l'heure. Tu te souviens? Non. Ah d'accord, tu vérifies les normes de sécurité au cas où il y a un séisme. D'accord, autant pour moi monsieur. L'homme et la bête. Le duel du régal. Version 2. Coucou. Ouah. C'était quoi ce bruit? T'es vraiment sûr que c'est un perroquet ça? Moi je dirais plutôt que c'est un mouton hein. Oh mais... Mais qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce qu'il y a? J'appuie sur toutes les touches, bien évidemment je vous tue tous. Dégage. Oh ce tranchage de gorge était même pas mort. Voilà c'est fini. D'accord, alors la prochaine fois, on ira plus vite, je tuerai tout le monde au lieu d'essayer de me cacher, hein, voilà. Oh en plus il a une barre de vie, il va y avoir de la baston. Mec, laisse tomber, il t'a foutu dehors. On s'en bat les couilles du reste, hein. D'accord, t'es dehors. T'as trop bu, tu t'en vas. Mais qu'est-ce que tu me parles, hein? J'étais déjà dit, t'as rien à faire ici, alors tu dégages ma taverne, hein? Oh, j'ai rien à faire. Tu dégages! Bah, bien sûr. Ça, c'est des vrais assassins. Moi, je suis un fou, hein, je vous rappelle, hein. Oh! Eh, vous êtes sûr que c'est pas des assassins Made in China, là? Parce que, bon, niveau défense, c'est un peu de la merde. Les mecs, c'est quoi ces assassins, là? Oh! Mais ça arrive en gang-bang! Corriger. Ah d'accord, faut le corriger, t'sais. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je te corrige. Ah non. Tiens, moi j'ai fait de la boxe. Oh le... Oh cet écrasage de tête. Oh, j'aurais pas dû faire ça. On s'en va. Oh l'autre il m'applaudit, l'autre carrément.
Carrément l'autre il est content, t'sais. Bravissimo, bravissimo. Je sais même pas pourquoi je t'applaudis. Et ouais, comment on fait là, hein? Eh ben, il ne retrouve pas. Découvrez H.Crit 4, des graphismes époustouflants, un objectif à couper le souffle, retrouver une épingle dans un tas de foin. Tananana. Bon, ok, je me suis emporté sur la fin. Surprise, motherfucker! Eh oui! Oh, t'as dit quoi? J'ai pas très bien... Oh, ce viol intégral! Le mec dans Assassin's Creed, c'est quand même un putain de balèze, hein. Le mec, il te fait des trucs de fou, il te monte sur les toits, il te saute des trucs, il arrive à te faire des trucs comme ça. Moi, j'essaye, ça ressemble à ça. Oh putain, non mais encore eux! On va se la faire à la légale, ok? Voilà, hein. Ça va pas parce que la dernière fois vous êtes des épées, j'en avais pas. Ok, le mec, le moi... Ok, qu'est-ce que vous faites, madame? Non, non, madame! Je vais vous sauver! C'est une folle! Non, c'est lui que je dois tuer! Oh, tiens! Bon, alors maintenant, faut que je m'occupe des bolos, là. Des bolos qui lui suçaient la queue, là, parce que... D'ailleurs, je sais pas du tout ce qu'il faisait dans son petit buisson, hein. Je n'irai pas voir. Mais je faisais rien dans le buisson. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo les gens, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai essayé un tout nouveau style, tu vois, genre en facecam et tout, sur Assassin's Creed. Comme je l'ai dit au début, c'était le seul jeu qui marchait, hein, parce que BF a décidé de me troller. À Outlast, j'arrivais pas à trouver la sortie. Voilà, donc je me suis retrouvé sur Assassin's Creed. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis salut à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Demo, salut.